Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Duplicate Club. Aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi c'est jour de partie joker à vocabulaire courant, donc on a un joker à chaque coup comme dans les parties joker et la particularité c'est que les tops sont des mots de vocabulaire courant, donc ce sont des parties relativement sur le plan du vocabulaire agréable et facile à jouer. Vocabulaire courant ne signifie pas que les coups sont d'une simplicité absolue à chaque fois, hein, bien sûr. Il peut y avoir des constructions difficiles, des emplacements compliqués. Donc, ne vous fiez pas forcément à la notion de difficulté globale. Hein. C'est que le vocabulaire, en fait, qui est visé dans cette notion de vocabulaire courant. Voilà, à l'issue de la partie, un décodage, c'est-à-dire on va passer en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes, les définitions des quelques mots peu courants, il n'y en aura pas beaucoup forcément, qu'on aura vu dans les sous-topes essentiellement, et puis les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et puis parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues précédemment. Voilà, je vous ai tout dit, on va démarrer donc cette partie. Cette partie joker vocabulaire courant dans quelques secondes. Je vous souhaite une très très bonne partie. Voici votre premier tirage. Vous prenez bien sûr la première lettre blanche. Et puis Norvège N. Égypte E. Tunisie T, Océanie O, Suisse S et Maroc M. Vous jouez avec Joker, Norvège, Égypte, Tunisie, Océanie, Suisse et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Ce premier coup, un maximum à 68 points. Faites très attention à la solution choisie. Nous allons utiliser un T de Tunisie pour venir remplacer le joker. Horizontalement, en H4, nous posons « mettons ». M, E, T de Tunisie qui remplace le joker. Le T du tirage. O sur la case centrale, N, S. Mettons METTONS en H4, ça fait 68 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On reprend la première lettre blanche. Italie, I. Portugal, P. Italie, I, c'est le deuxième. Égypte, E. Algérie, A. Roumanie, R. Vous jouez avec Joker, Italie deux fois, Portugal, Égypte, Algérie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
Un maximum à 86 points. De nouveau, on va faire très attention à la solution choisie, notamment à la lettre qui va venir remplacer le joker. Ce sera un L de Luxembourg. Verticalement en 5D, en appui sur le E de Méton, nous descendons épileré. E, P, I, L de Luxembourg qui remplace le joker. E de Méton, R, A, I. Épileré, E-P-I-L-E-R-A-I en 5D. Ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, on récupère la première lettre blanche et puis Algérie A deux fois. Venezuela, V. Égypte, E. Tunisie, T. Et Grèce, G. Vous jouez avec Joker, Algérie deux fois, Venezuela, Égypte, Tunisie et Grèce. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 85 points. Le joker est remplacé par un S de Suisse.
Horizontalement en L1, de façon à mettre un T au bout de épileuré, nous posons Gavat. G, A, V, A. Le T qui transforme épileuré en épileuré AIT. E et le S de Suisse qui vient remplacer le Joker. Gavat, G-A-V-A-T-E-S en L1, ça fait 85 points. Aucune lettre au reliquat, on récupère la première lettre blanche et puis on prend Égypte E. Algérie A. Luxembourg L. Égypte E, c'est le deuxième. Italie I. Et France F. Vous jouez avec Joker. Égypte deux fois. Algérie, Luxembourg, Italie et France. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 83 points. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement, en 1G, le joker est remplacé par un F de France. Nous sommes en appui sur le G de Gavat et nous descendons affligé. A, F de France qui remplace le Joker, le F du tirage, L, I, G de Gavat, E, E. Affligé, A, 2, F, L, I, G, E, E en 1G, ça vaut 83 points.
Aucune lettre reliquat. On récupère la première lettre blanche et on prend Tunisie T, Égypte E, Suisse S, Hongrie H, Zambie Z, Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Égypte deux fois, Suisse, Hongrie et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 117 points. Verticalement, en 3C, le joker va être remplacé par un I d'Italie. Et nous allons mettre un E devant Méton en descendant. Hésiter. H-E-S, le I d'Italie qui remplace le Joker, T, E qui transforme Méton en Éméton, et le Z. N'oubliez pas le Z, sinon ça fait beaucoup moins. Hésiter, HESITEZ en 3C, ça fait 117 points. Après ce Scrabble, aucune lettre. On récupère la première lettre blanche. Et vous prenez également Québec Q, Québec. Xénophon X. Canada C.
Yougoslavie Y, Égypte E et Italie I. Vous jouez avec Joker, Québec, Xénophon, Canada, Yougoslavie, Égypte et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cent trente-huit points. Le joker va être remplacé par un S de Suisse horizontalement en O1, en mettant justement ce S au bout de affligé. Nous posons sexy. S de Suisse qui remplace le joker et qui met affligé au pluriel, E, X, Y. Sexy, S, E, X, Y en O1, ça fait 138 points. Reliquat de trois lettres, Canada, Italie et Québec, que vous allez rejeter. Donc vous rejetez le C, le I et le Q. Et on prend la première lettre blanche, Suisse, S. Maroc, M. Égypte, E. Norvège, N. Algérie, A.
Océanie, O. Vous jouez avec Joker, Suisse, Maroc, Égypte, Norvège, Algérie et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 74 points. Le joker est remplacé par un U d'Uruguay. Horizontalement, en N4, en partant d'au-dessus du Y de sexy, nous posons aumône. A, qui forme E à Y, avec le Y de sexy. U d'Uruguay qui remplace le joker. M-O-N-E-S. Aumône, A-U-M-O-N-E-S, en N4, ça fait 74 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours la première lettre blanche, le premier joker qui est disponible. Et voici 6 lettres pour compléter le tirage. Canada, C. Italie, I. Suisse, S. Algérie, A.
Roumanie R et Hongrie H. Vous jouez avec Joker, Canada, Italie, Suisse, Algérie, Roumanie et Hongrie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 103 points. Faites très attention à la place. Le joker est remplacé par un E d'Égypte. Nous jouons horizontalement en O7, en dessous des quatre dernières lettres de Omon. Pour coller en dessous des quatre dernières lettres de Omon, nous posons cahier. C-A-H-I. Le joker qui est un E d'Égypte. Le joker qui est remplacé, pardon, par un... Oui, c'est ça, par le E. R-S. Verticalement, on forme OC, NA, E et SI avec les quatre dernières lettres de Omon. Cahier, C-A-H-I-E-R-S. En O7, ça fait 103 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On récupère la première lettre blanche et voici Danemark D. Roumanie R. Danemark D, c'est le deuxième. Algérie A. Océanie O. Roumanie R. C'est le deuxième également. Vous jouez avec Joker, Danemark deux fois, Roumanie deux fois, Algérie et Océanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 28 points. Verticalement en 2A, le joker est remplacé par un E d'Égypte et nous collons à gauche des lettres de hésiter en descendant adoré. A, D, O, R, E d'Égypte qui remplace le joker et encore un R. Au passage, nous formons O, O, H, Ré, R, E, 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 S et R, R, I avec les quatre premières lettres de hésiter. Adoré, A, D, O, R, E, R en 2A, ça fait 28 points. Pour reliquat, une lettre, Danemark, vous la rejetez. Et on repart avec, toujours disponible, le premier joker. Égypte E. Jordanie J. Égypte E, c'est le deuxième. Venezuela Italie, I, et Roumanie, R. Vous jouez avec Joker, Égypte deux fois, Jordanie, Venezuela, Italie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 60 points. Pour cela, on va remplacer le joker par un N de Norvège, horizontalement en A1. En appui sur le A de adoré, nous posons janvier. J, A, N de Norvège qui remplace le joker, V, I, E, R. Janvier, J-A-N-V-I-E-R, en A1. Ça fait 60 points. Une lettre reliquat, Égypte. On prend la première lettre blanche. Portugal, P. Océanie, O. Norvège, N. Belgique, B. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Égypte, joker, Portugal, Océanie, Norvège, Belgique et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 78 points pour lequel le joker va rester sur la grille, remplacer un S
de Suisse. Attention à la solution choisie, verticalement en 8A. Nous posons Snobé. S Joker, donc qui reste sur la grille, hein, pour mettre janvier au pluriel. N-O-B-E. Snobé en 8A. S-N-O-B-E. Joker S. Ça fait 78 points. Reliquat de lettres Portugal et Uruguay. On ajoute le deuxième joker, cette fois-ci. Algérie A. Égypte E. Uruguay U et Tunisie T. Vous jouez avec Portugal, Uruguay deux fois, Joker, Algérie, Égypte et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 74 points.
Le Joker est remplacé par un N de Norvège, verticalement en 12 H. Pour terminer sur le R de cahier, nous descendons puanteur. P-U-A, le N de Norvège qui remplace le Joker, T-E-U-R. Puanteur en 12 H, P-U-A-N-T-E-U-R, ça fait 74 points. Aucune lettre au reliquat. On reprend la lettre blanche. Et puis Grèce, G. Italie, I. Uruguay, U. Danemark, D. Italie, I, c'est le deuxième. Et Luxembourg, L. Vous jouez avec Joker, Grèce, Italie deux fois, Uruguay, Danemark et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 76 points. Le Joker est remplacé par un N de Norvège. Horizontalement en D8, en partant du B de Snobé, nous posons Building. B, U, I, L, D, I. Le Joker remplacé par un N de Norvège est G.
Building en 12, en D8, pardon, ça fait 76 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. On a toujours de disponible la deuxième lettre blanche, donc on prend le Joker. Et puis non, pardon. Wallonie W, Québec Q, Québec, Océanie O, Égypte E, Luxembourg L, Uruguay U. Vous jouez avec Joker, Wallonie, Québec, Océanie, Égypte, Luxembourg et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Nous allons laisser le deuxième joker sur la grille pour remplacer un S de Suisse. Un top à 44 points horizontalement en C6, attention à la solution choisie, donc on appuie sur le haut de snob, nous posons slow. Le joker qui remplace un S de Suisse, L, haut de snobé, pardon,
j'ai dit snob, et le W qui forme Woo avec le U de building. Slow, S-L-O-W en C6, ça fait 44 points. Au reliquat, 4 lettres, Égypte, Océanie, Québec et Uruguay. On n'a plus de joker, on continue la partie normalement. Voici Maroc M, Canada C et Tunisie T. Vous jouez avec Égypte, Océanie, Québec, Uruguay, Maroc, Canada et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 36 points. Verticalement, en 13A, en appui sur le deuxième I de building, nous descendons comique. C'est O, M, I de building, Q, U, E. Comique, C-O-M-I-Q-U-E en 13A, ça fait 36 points. Au reliquat, une lettre, Tunisie. On ajoute
Belgique B, Algérie A, Uruguay U, Danemark D, Océanie O et Luxembourg L. Vous jouez avec Tunisie, Belgique, Algérie, Uruguay, Danemark, Océanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Ce sera le dernier coup de cette partie Joker à vocabulaire courant pour un maximum de 33 points horizontalement en A10. On appuie sur le C de comique. Nous posons boucla. B, O, U, C, L, A. Boucla en A10, ça fait 33 points. Voilà, partie très rapide, 16 coups, ça va vite, hein, partie de joker, et un top de 1183 points. Allez, on va passer tout ça en revue dans le décodage. Alors, le décodage, je vous rappelle, ça se déroule en trois temps. Premier temps, on passe en revue tous les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-tops. Deuxième temps, dans la partie gauche de l'écran, on va faire défiler et je vais vous en donner lecture
Les définitions des mots peu courants, alors forcément là, vu qu'on est sur une partie à vocabulaire courant, ça concernera les sous-topes, les isotopes, principalement. Et puis, troisième temps du décodage, on passe, on revient sur tous les tirages de la partie pour voir quelles étaient les possibilités en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant le décodage en lui-même. Voilà, alors il y a des jours où il y a beaucoup de définitions, des jours où il y en a moins, ça dépend des difficultés des parties, ça dépend aussi de mon humeur et de mon énergie, voilà. Ça peut arriver. Voilà, donc au premier coup, avec MONTES plus Joker en main, il y avait évidemment monte, montrer, etc. Il y avait plein plein de choses, métron, mentor, mecton, menton. Moment, moise, du verbe moiser, monstre, etc., etc. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités de scrabbler. Et bien sûr, on a retenu metton, M-E-T-T-O-N-S, du verbe mettre, pour les rallonges, principalement les rallonges en une lettre, hein, le E et le O. Sachant qu'après, on aurait pu aussi, bon, ça ne s'est pas produit, mais par exemple, promettons, du verbe promettre, etc. Qui serait allé tripler. Alors, au coup suivant, beaucoup de possibilités de quadruple avec le E de mettons. Donc, on fait la terminaison RAI, et puis voilà, il y a plein de possibilités qui arrivent. Expieré, épieré, épieré, AITAIS, épicerait, péri, péurier, peineré, pépilleré, piégeré, piéteré, pineré, ça c'est un nom féminin, c'est le seul. Non, il y a péurie aussi, sinon voilà, c'est que des conjugaisons pratiquement. Donc toujours, hein, le quadruple au deuxième coup est presque systématiquement ouvert, donc c'est la place à investiguer en priorité à chaque fois. Et puis sinon, autre possibilité de marquer 83 points cette fois-ci avec périmé, périré, repipé et replié. Le P qui double, le mot qui double et on forme au passage émettons, ça fait 83. Et puis vous voyez, après il y a plein de possibilités en mettant un E devant mettons et en doublant. 75 points, 76 points, 77 points, voilà, il y a le. Et l'embarras du choix. Alors, le coup suivant. Alors, gavatte, qui met un T à épileré, c'est le top à 85. Sous-top, gavante, gavant, adjectif. Hein. Gavatte également, donc là, on est en 3, 3B, 3C, pour faire émettons, ça fait 81. Tavelage, à 76. Avantage à 71, ravagea en gravat 71-65, gavé à UNT, vagat 65, quoi d'autre? Vapotage, voyagea, ça fait 63-62 points. Donc voilà, là bah c'est le T au bout de l'épileré et le E devant émettons, c'était les deux places à privilégier. Alors ici, on cherche le nonuple, hein, évidemment, mais ça vient pas. Il y a plein de solutions sur le G, mais il n'y en a aucune qui recouvre les deux cases rouges. Effilage, défilage, enfilage, ficelage, filetage. Et la seule possibilité de garder ici là, une place pour 7 lettres, vous voyez, entre les deux cases que je clique. C'est une place de Scrabble, ça, donc c'est pour ça qu'on retient affligé plutôt que les autres possibilités qui réduisaient en fait l'ouverture à cet endroit. Et puis de même, une fois qu'on met un S ici, après la case rouge, elle est condamnée. Donc on a retenu affligé à 83, ailleurs ben, 81 avec affilé, faillé. Pour faire émettons de nouveau. Fécial, férial, ça fait 79. Fécial avec un T, 79 aussi, forcément. Allifère, 77. Etc. Etc. Il y a pas mal de choses. Une magnifique flairée EES en collante, ici en I1, qui ne fait que 71.
Voilà, bon, alors le parti de Joker, quand les tirages sont équilibrés, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, donc c'est vraiment compliqué à fastidieux à commenter. Donc je zappe quelques mots parfois, parce que sinon c'est trop long. Alors ici, on a scrablé, mais on avait un. C'est assez rare quand même. Une autre possibilité, sans scrabler, de marquer le même score que le top, qui est un scrabble, donc 117, 16, avec 16 en O1, le Z qui double, affligé qui se met au pluriel, et le tout qui triple, ça fait un score somptueux. Suer, ça va faire moins 3, et sécher, avec le H qui s'ajoute, qui triple, qui double, le Z qui reste, puis qui lui ne double plus, à 111. Santé 93, voilà. En fait, si on ne scrabble pas, avec hésiter ici, le Z qui double, le mot qui double, et mettons au passage, eh bien on a une flopée de solutions à 81 points minimum en O1. Hésitier, ça scrabble aussi en F2 pour 79, etc., etc. Alors ici, et bien encore un score monstrueux, 138 points, sans scrabler, le Y qui double, le X, le mot qui triple, et puis le affligé au pluriel qui triple également. Voilà, ça fait 138 points, c'est énorme. On a 6 qui fait 78. Et puis après, avec le XI, le X sur la case bleue foncée, voilà, en pivot, Cox, Tex, ça fait 69, 65, XI et X également, 64 pour X. Voilà, vous voyez les deux places où on va mettre marquer des points, ça va être tout ça. Il y a également, faut penser également à qui, hein, QI, avec le pivot. Alors, le tirage suivant. Alors, il y a beaucoup de possibilités de scrabler, mais pas beaucoup de place pour marquer. Il y a une seule solution au top, à 74, c'est là, avec le A et le M qui triple. Sinon, on a cette collante-là, Aimeron à 73, Aumône qui passe ici aussi à 73, et puis sinon, Amenon, voilà, en fait, tout ce qui passe ici sans doubler le M, sans tripler le M, ça fait 72 ou 60, ça fait 72. Après, on a d'autres solutions ici à 71, pareil, le M n'est pas valorisé, enfin, n'est pas optimisé. Anomie, Anosmie, Emanon. Étamon, etc. Image au-dessus. Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités. Dans les définitions, je vais vous ajouter. Anomie et anosmie. On verra ça tout à l'heure. Alors, le coup d'après, pareil, hein, CH, AIS, le Joker, le R, ça fait beaucoup de possibilités de scrabler, donc on va voir. Il se trouve que le top est assez. C'est un mot très courant, mais moi je trouve ça très difficile à construire parce que le C et le H séparés, c'est très piégeux, on a tendance à les mettre ensemble, hein, ce qui est légitime, ce qui est, comment dire, ce qui est. Ce qui est pertinent dans 99% des cas, on va dire. Mais de temps en temps, le C et le H sont séparés. Et ça peut donner des trucs un peu dingues. Comme ici, cette collante a sur 4 lettres. Cahier qui fait 103. Alors le même mot passe en M9 pour 87. Ensuite, chèvreré, le C qui double, c'est un double appui. Ça scrabe, ça fait 84. Écherré du verbe écher, 82. Le P de épilerer permet d'aller jusqu'au double. Donc on a perché, prêché à 78. Repêché ici encore en double appui à 78 aussi. Rocher, rucher en scrabble sec. En M9, ça fait 78. Arrachi, écheré, chassoir. Voilà, il y a pas mal de coups. Chagrin, chariot. Des mots assez jolis, charroi, crachet, hachoir, marchet, etc. Voilà, pas mal de possibilités. Chistera, en 9 lettres.
Voilà, et le top sans scrabler, c'est le Scrabble du top, mais sans le S. 50 points avec cahier. Alors, le tirage suivant, pas de E pour dédorera, dérodera, détordra, pas de T non plus. Et donc, on se contente de faire des collantes avec soit Cador à 28, soit Adoré au même score. On a retenu Adoré pour l'ouverture sur la ligne rouge, là, les triples en A1 et A8. Mais puis après, tout se passe un peu ici. 27 points avec Radé, Rodé, Radar. Doré, 26. Dédora, Déroda qui forment Dépileré, ça fait 23. Dorade également. D'or en Cheminée, 23. Adron et Rodia, pareil, en forme Dépileré, ça fait 23. Allez, le tirage suivant. Alors là, le V qui double, janvier, le J, le mot qui triple, ça fait 60 points. Même place, sans optimiser le V, Javelet à 51. ER, Javelet et à 48. Javel à 45. Java à 39. Et si on n'a pas envie de jouer avec le V, ben, il y en a Jassé, Jar, Jarté, Jazé, tout ça, ça fait 36. Larvé également, avec le V qui double. On n'utilise pas le J, mais on marque 36 points quand même. Alors, ici, pas de S ou de A pour Subpoena. S-U-B-P-O-E-N-A. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres appuis pour ce tirage. On a en 8A, Joker S, on met janvier au pluriel. Les mois de l'année se mettent au pluriel. Hein. Exemple, entre... Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les janviers ont été rigoureux. Voilà. Alors, souper ou snober, ça faisait 78. La lettre à 3 points qui double, un mot de 5 lettres, les deux mots qui triplent. Voilà, ça fait un gros score. Sans le E, snob, 75. Sup, du verbe super à 69, etc. Voilà, tout se passe un peu ici. Sinon, prébande, preneuse, prévenue, soit ça fait 30, 26, pubien, 26 aussi, pueblo également. Alors, ici, on scrabble avec deux possibilités, troupeau ou puanteur. Voilà. Sous top, c'était les deux seuls scrabs possibles. Sous top, poteau ou pouture en C7 à 24 points. Ensuite, alors ça c'est un coup difficile aussi, building, c'est difficile à construire dans les deux sens du terme. Le vrai building, il faut s'y mettre à plusieurs, bien sûr. Et puis là, le mot building en lui-même, c'est pas évident du tout. Donc 76, si vous l'avez joué, bravo, si vous l'avez raté, c'est pas grave. Sous top, 23 points avec juste un S au bout de sexy, ou 22 avec guidé. Qui colle ici en 13F. Le tirage suivant, WQ, on ne les utilise pas ensemble, sauf dans un sous-top, squo, avec le Q qui triple. Glické 39, logique 42, et on a retenu, le top c'était slow à 44, avec le W en pivot, slow ou flow, bien sûr. Hein. Ici, on a retenu comique pour le vocabulaire courant. On avait également conquête. Et je crois qu'on avait plus de... on avait plus de E à ce moment-là. Oui, voilà, parce que sinon, je pense que j'aurais retenu conquête pour faire conquête. Hein, et on n'a plus de E, donc ça ne servait à rien comme choix. Et donc, j'ai pris comique. Dans les deux cas, ça fait 36. On a conque à 34 également et caqué à 31. Cac à 40. À 30, pardon. Cac 40, c'est autre chose. Voilà, moca qui fait 30 aussi avec le Q qui triple. Et donc, le tirage suivant, c'est le dernier coup. Voilà, on tire les trois dernières voyelles et on les joue. Donc, c'est le dernier coup. Boucla à 30 points, 33. Sous top, moins 3 avec Bacu, même place ou bocal. Et puis on a Bloga aussi qui triple à 30 points en 15A.
Jolie collante intégrale avec Abou à 28. Voilà, c'en est terminé pour le passage en revue des coups de la partie. On va passer maintenant aux définitions. Donc je les fais défiler, elles ne sont pas forcément dans l'ordre de la partie. Et puis elles ne concernent pas forcément tous les mots qu'on a vus, c'est une sélection. Voilà, donc Abou par exemple. A-B-O-U-T, c'est un nom masculin, extrémité d'une pièce de bois ou de métal. Mecton, c'était un sous-top au premier coup, c'est un terme familier pour désigner un mec. Dépiler signifie rendre glabre ou chauve, et dans les mines, c'est exploiter un gisement. Un conquet, c'est un bien acquis pendant le mariage, à ne pas confondre avec la conquête avec laquelle on se marie. Chérer un air ou deux airs, participe passé invariable en argot, ça signifie exagérer. Alors il y a des formes conjuguées qui vont se confondre avec le verbe choir. Donc voilà, je ne vous fais pas le détail là. Si vous voulez faire une petite étude sur le sujet, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Javeler un aile ou deux ailes devant un muet, mettre en javel, c'est exactement la même chose que enjaveler. La seule différence entre les deux, c'est qu'il existe le substantif javelage, mais pas enjavelage. Voilà. Alors, flow au débit du chanteur de rap. Le tavelage, maladie des pommes et des poires qui se tachent. Javelage, la mise en javel, je viens de vous le dire. Cador, un chien ou bien un caïd, un chef. La pouture, c'est un engraissement du bétail en étable. Gliquer, adjectif qui désigne une hémoglobine sur laquelle s'est fixé du glucose. Bacu, c'est une croupière, nom masculin. Et c'est terminé, je crois, pour les défis. Ah non, il y a anomie, désorganisation d'un groupe ou d'une société, et anosmie, malheureusement. Agueusie et anosmie, on est nombreux. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas eu, mais avec le Covid, c'était un des symptômes, donc la perte du goût, la perte de l'odorat. Ça va pas être marrant. Et voilà, donc on a terminé avec les définitions. Maintenant, on va revenir sur les tirages de la partie. Et je change d'affichage. Voilà, alors comme c'est une partie de joker, il y a toujours des tirages avec le joker, donc il y aura dans certains cas, beaucoup de solutions. Donc là, par exemple, au premier coup, on va zapper, hein, c'est trop. Là, c'est pareil, beaucoup de ERAI, donc forcément, des dizaines et des dizaines de possibilités. Éventuellement, jeter un œil aux lettres chères pour voir s'il y a des choses un peu rigolotes, un peu sympas. Non. Non, rien de vraiment folichon. Alors, ici, et puis bien sûr, je passe, j'affiche tout, mais j'insiste uniquement sur les solutions qu'on n'a pas vues pendant la partie. Et là, je crois qu'on a à peu près tout vu, peut-être pas aveugla, gravela, et le reste, on les a vus. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup trop de possibilités. Alphénidé. Alphénide. Je me trompe toujours avec ce mot, je le prononce mal. Alphénide. Maléfice. Bon, voilà. Alors ici, il n'y avait que hésiter, donc en 7 ou 8 lettres, et en 9 lettres, hésitier, forcément, zuchette, technisé, éthérisé, hésiteré, hertzien, théorisé, thermisé, zéolite, chanteré, shooteré, alors là, rien 7, rien en 8 et rien en 9. Là, il y en a trop. Yoman, Zonam, Samoan, Samoan, Samoan.
Là, c'est pareil, il y en a trop. Alors, ici, on avait vu. Oralement, je les avais dit. Hein. Dédorera, démordra, dérodera, détordra, dédorera, dérodera. Voilà. Six possibilités en huit lettres avec ce tirage. Alors, ici, il y avait juiverie. Donc, si on avait eu un U ou un N, on avait juiverie, ou un I même. Juiverie, enjuivée. Enfin, l'un des deux. Mais ça ne passait pas. Suppéna, il n'y en avait pas d'autres en 9, en 7, 8 et en 9 lettres. Pudibonde, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Pudibonde. Troupeau puanteur, et ben, il n'y avait pas d'autres possibilités, d'accord, bon, j'aurais cru. Et en 9 lettres, pataugeur, paqueteur, épurateur. Poutargue, saupiquet, pulsateur, pontuseau. Il y a des fois des mots superbes. Ok. Alors ça, c'est un magnifique tirage, en fait, l'air de rien. Donc là, le D2ILGU plus deux jokers, ça donne Ludwigia, Buldig et Mugilide. Je parie que c'est Mugilidé, vous allez voir. Et oui, poisson type mulet. Je connais le mulet en plus. J'en ai déjà pêché. On l'appelle également le muge. C'est pour ça qu'il y a Mugilidé. Voilà. Ensuite, là, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Ici, cométique. Au Québec, c'est un traîneau tiré par des chiens. D'accord. Un joli 9 lettres à connaître. Et puis, le dernier tirage, on avait doublat sec, déboula et doublé a été doublant, forcément. Allez, je vais regarder 9 lettres, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de fascinant. Non, hein, que des conjugaisons. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris deux, trois bricoles. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous et à faire venir un maximum de personnes. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.